Et j'ai expérimenté la puissance de Jésus. J'ai vu Jésus dans ma chambre. Et Jésus m'a consacré à ce ministère. Et ce fait que dans cette chanson, il dit, à mon salaire, c'est toi qui m'as choisi pour annoncer ta bonne nouvelle. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Parce que chaque homme de Dieu a sa grâce. Et la grâce qui reste sur moi dans mon ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et j'ai fait ça avec passion. Oui, ça avec passion. J'ai pas peur, j'ai pas crainte. Parce que je suis appelé à ça. Dieu m'a appelé. Je ne suis pas en train d'imiter quelqu'un. Souvent, on me demande, mais est-ce que votre histoire de Baillé, j'ai dit, non, je n'ai jamais connu Baillé. Je ne sais pas qui il est. Mais j'ai demandé qui son histoire. On me dit, c'est quelqu'un qui avait reçu un pouvoir de l'esprit de mort. J'ai dit, mais moi, je n'adore pas l'esprit de mort. J'adore Jésus ressuscité. Alors, le pouvoir qu'il m'a donné, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un. Je crois que je n'amène pas quelqu'un sur une tombe. Je ne demande pas aux gens. Non. J'amène les gens à la conversion. La sœur, vous voyez juste derrière, elle vient de l'Allemagne. Elle est togolaise. Elle est musulmane. Elle a vu mes chaînes, ma chaîne télé sur le YouTube. C'est comme ça, elle m'a appelé. Mais c'était difficile de m'avoir d'ailleurs. Et puis un jour, elle m'a dit, je viens encore du bois. J'ai vu des choses, ça m'a tellement plu. Je viens encore du bois. Et quand elle est venue, souvent, elle l'a accueilli à l'aéroport. Je n'ai pas parlé de Jésus t'aime, Jésus est mort, il est ressuscité, c'est lui, il faut l'accepter, sinon, marche pas ça. C'est elle qui coule. Elle dit, enseigne-moi la Bible, je vais accepter Jésus, je joue la souveraine. Et puis il a dit, bon d'accord, tu vas accepter Jésus. Et puis il a commencé, Ouais, c'est ça. Il faut avoir la sagesse, l'intelligence, pour gagner assez de monde. Il faut changer de stratégie. Ah non, comme tu es musulman, non, il faut d'abord accepter Jésus avant de sortir de la réponse. Si c'était deux, elle a dit, non, elle est venue, c'est pourquoi elle s'est déplacée. C'est Dieu qui convainc. C'est lui qui convainc. Je suis là, je regarde, tu veux la prier, tu vas faire prière. Je n'ai pas dit Jésus, toi-même tu vas voir. C'est lui qui va venir voir ici. Là. Et il parle souvent, c'est les mises en scène sur le YouTube.
Oh. Moi, je n'ai rien à faire, venir m'en regarder dans les narines d'un sorcier. Tu as mangé qui? Je n'ai rien à faire. Tu as mangé qui? Non, j'ai mangé ses oreilles. Pourquoi? Non, je viens manger sur sa poitrine. Les sorciers, les putains. Mais si vos poitrines vont être à manger, ma tête des lèvres, tu as mal de cœur, où est ta boue? Tes poumons sont infectés. Réalité. Je dis jusqu'au dernier souffle. Même au prix de ma vie. C'est un non-retour. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Même au prix de ma vie. Tous les disciples sont mon martyr. J'ai décidé de combattre ce fléau. Nous ne les tuons pas. Voyez, la soeur ici, elle a commencé à comprendre beaucoup de choses. Au fur et à mesure, je suis avec elle. Je l'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Elle me pose des questions. Je laisse me poser des questions. Et au fur et à mesure, elle a commencé à comprendre beaucoup de choses. Elle a commencé à comprendre beaucoup de choses. Et je pense que c'est un nouveau départ avec Dieu. C'est un nouveau départ et c'est ce qui me réjouit. J'ai une conversion qui est en train de se faire. Amen. On m'a appelé aujourd'hui, hier, quelqu'un m'a appelé de Londres. Il avait un problème, un souci dans sa banque. Et les gens vont prendre l'argent. Et puis c'est sa signature. Il fait parler les banquiers. Il est fâché. On dit, monsieur, dégage. C'est ta signature. Les gens fermés, ils cherchent son argent. Quand il m'a appelé, il dit, laisse-moi gérer le dossier. Je suis reparti, même ici, là. C'est un webé. J'ai pris ça de riz. J'ai fait l'intention. Nous, on appelle ça lance-roquette. C'est une brigade, ne jouez pas ça. Hein? C'est une brigade. J'ai pris une bouteille, j'ai consacré. Qui mangeait. Je me suis mis dans une autre peau. J'ai dit, je suis l'ami à ton fils. Ah, tu es bien arrivé, je suis bien arrivé. Amen. Elle est de la sagesse et de l'intelligence pour les raisons. Si il n'est pas terrible, je suis le prophète Crassou. Ah, c'est fini. Elle va te enseigner, on dit à lui, là, il attrape son psy. C'est même pas la peine. Oui, moi je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Là, tu le veux, tu ne veux pas. Je suis fabriqué pour des sorciers. On m'a fabriqué à cause de vous. Vous les mangeurs de dames. Vous ne pouvez pas laisser les gens vivre. Et puis vous dites non, c'est pas moi, c'est l'esprit qui est en vous. Vous ne pouvez pas le mettre en carême un jour, l'esprit. Il ne fait pas carême. Il ne peut pas gêner. Nous, souvent, on gêne. C'est quel esprit qui ne peut pas gêner? Mais justement, c'est pas que c'est mauvais. C'est qui en vous là? Hein? Vous ne pouvez pas maîtriser ça. Voilà. Vous ne pouvez pas maîtriser. Ça veut dire manger chouïa, ça mange. Alors j'ai fait la chose, moi, elle me reçoit très bien. J'ai dit à la vieille, une là, c'est sans cholestérol. Mange ça. J'ai 30 000, elle est contente. Hein? Mais mange mon nul, c'est bon. C'est vous avez dit, je suis venu t'attraper, tes sorcières, tu manges ton fils, laisse ton fils. Touchez. Qu'elle a mangé, diarrhée qu'elle a eu la vie. Son fils m'a appelé, il a dit, ma maman veut te voir. Il dit, il ne bouge pas. Elle n'a pas venu. Ainsi, Lily vient ici. Elle aussi, son papa, celle-là, elle était guérie miraculeusement depuis la France. Que Dieu te bénisse. On l'avait déjà braisé. Il avait attiqué et on commençait à manger un peu la chair. C'est un grand témoignage. Ta fille a pleuré, tout le monde l'a vu ici à Zaroko. Elle est venue voiture dans une maison. C'est pas là? Sa voiture dans une maison. Ma maman est malade. Tout ça. J'ai dit, ok, elle se suit le Skype. Depuis, elle dit ça, les gens m'emmerdent. On m'appelle Skype. Elle m'a dit, mais tu as guéri, t'étais sur Skype. Sur Skype. C'est par conviction. Moi, je ne travaille pas parce que je veux, c'est conviction. Si Dieu me convainc de prendre sur Skype, ben, je te prends sur Skype. J'apprends à écouter la voix de Dieu. Alors, elle, le quatrième jour, j'ai commencé à prier. J'ai dit, laissez-moi deux jours réfléchir. Pas parce que je suis le prophète Crasso, que ça partit du tic ou tac. Je fais comme les autres, je guéris les malades. C'est pas moi qui guéris les malades. Je n'ai pas le pouvoir, c'est le pouvoir de Jésus. Qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à telle situation? Alors j'écoute la voix de Dieu. Dieu me dit, va la ressusciter. Donc je l'appelle, je lui dis, mais Dieu, si Dieu va la ressusciter, elle sera guérie. Ah oui.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Et c'est moi qui donne à manger, je ne pouvais plus manger. J'ai dit mange. Et faites ton menu. C'est moi qui gérais le menu. Le menu plutôt. Et puis elle a été guérie miraculeusement. Amen. Le collègue de son papa. Il dit amen. C'est comme on m'a montré en 2015. J'ai commencé à m'équiper. Il aura une caravane, campagne de sensibilisation. On va les sensibiliser. Il dit, c'est pas bon de manger l'homme. Allez-y au marché, il y a un boucher là-bas, il vend viande. Si vous ne connaissez pas, on va montrer l'endroit où on va les poulets. Allez manger. Amen. Alors je suis allé, je lui ai dit ouvertement, c'est ton papa qui te mange. J'ai dit ça à tout le monde, c'est arrivé à l'oreille du vieux. Donc il m'attendait. J'ai porté rouge ma tenue de maréchal. Il me regarde. Je suis venu prier la sorcellerie. Lui me l'a dit, non, mais il va aussi. J'ai dit, je ne suis pas venu te dire des sorciers. Tes enfants meurent, c'est normal, non? Une des filles est malade, c'est tout ça normal, non? Je suis venu régler. Ah, tu es venu régler, oui. Comment? Je dis, voici l'huile. En temps, j'ai lancé, j'ai préparé ça et dormir ça. Oh. Vous jouez le pouvoir qui est en vous. Vous, les chrétiens, vous ne savez pas ce qui est en vous. La Bible dit, ce qui est en nous est plus puissant fort que ce qui est dans le monde. Vous ne savez pas ce qui est en vous. C'est pour ça que le diable joue avec vous. Amen. Amen. Moi, depuis, j'ai expérimenté la puissance de Jésus. C'est fini. Vous ne savez pas que vous pouvez fermer une région à cause de vous, là, une région peut se fermer. J'ai dit aux gens, vous ne savez pas que quand le jour où j'aurai affaire à cash, quand j'ai levé mes mains, le soleil va sortir, puis j'ai parlé, j'ai fermé une région. Parce que cette terre et la terre appartiennent à Dieu, mon Père. Et je suis l'héritier de tout ça. C'est pour ça que Jésus a parlé, il a dit, soleil, arrête-toi si d'abord. Le soleil s'est arrêté. Il n'a pas négocié avec Dieu. Et il dit, pluie, 3 ans et demi, ne touche même pas. Vous ne savez pas qu'il tombe une goutte. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Vous savez, la Bible dit, dans Jacques, il dit, Élie était la même nature que nous. Je suis un enfant légitime. Dieu me reconnaît. Amen. Alors, j'ai dit à son père, prends-lui. Mais je suis venu régler pour les sorciers. Je donne 3 mois aux sorciers. Celui qui mange les gens ici, il a 3 mois. Il est chaud. Vous connaissez, bouge sorcier. Sorcier m'a parlé, dit, il a mangé quelqu'un. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. C'est l'esprit du diable, le père du mensonge. Ils vont mentir. Il a condamné. Lui-même, il sait que je le vois, il sait. Oui, je m'en suis dit là. Il sait. Tu sais pas déjà moi, tu connais pas là. Il sait, il y a quoi? Le micro. Alors le père, il prend lui, il baisse, il parle. Je lui ai dit, oh, lui, il est en train de signer un décret, il est en train de signer quelque chose. Il sait pas. Et il pensait ça, comme dans les autres églises où on vient, on s'en plane, on a envie de manger, on est sucre pour le pasteur, on vient. On fera même à Nice une belle communion. Prends le corps de Christ. Amen. C'est le corps de Christ. Amen. Oh. Ici, tu vas avoir un zona de la nuit dans l'estomac. Vous venez prendre Saint-Séné à Nice, ici. C'est zona, ça a commencé de la nuit, ça prend tout l'estomac intestin. Ils aiment bien narguer, ils aiment bien jouer. Les sorciers, ouais, là. Ils aiment toujours essayer. C'est pas la dernière fois, la première fois, c'est la deuxième fois. Il essaie toujours. Et il vient toujours ici. La dernière fois, il y a un petit qui est venu, on l'a envoyé. De l'autre côté, c'est quoi la grande statue qu'on vient Guitry. On l'a envoyé ici. On a payé 400 francs, c'est des millions de francs pour venir tuer Grasso. Monsieur, mais oui, et ceux qui ont vu, ils ont vu. J'étais en train de prêcher, il est tombé. Je lui ai dit, petit, tu es courageux, hein? Si mon territoire, tu vas venir me prendre. Ah! Tu es caoué.
Bien matin, il est parti. J'ai signé. Je lui ai donné visa pour la Mauritanie. C'est des choses qu'on ne fait pas. Moi, je suis porteur de vie. Dieu m'utilise pour porter la vie là où il y a la mort. Et tu as béni mes nuits. Tiens, visa. Va à Mauritanie, hein. Tu vas prendre ton vol. Le vol t'attend. Donc, il prend lui. Il prend l'amusement. Les grands jureurs, c'est les sorciers. Ils vont toujours jurer. Ils n'ont pas peur de Dieu. Donc, ils s'en fichent. Jurer, ça ne leur dit rien. Je ne suis pas venu. On appelle ça action prophétique. Verse lui. Il dit, pourquoi j'ai versé sur lui, je n'ai pas touché sa femme et sa mère. Il dit, mais elle a déjà fait ça, dit non devant lui. Elle a touché ça. On a versé sur la maman. Quand il a donné, il dit, mais vous n'avez pas dit le prophète, il est fort. Et la canarie de notre papa, elle n'a pas déterré. Il a dit, il y a canarie. Et mon papa, il n'a pas parlé. J'ai rien de m'insulter quand. 3 mois net, le monsieur est devenu fou. Il a commencé à s'enfler. Il a commencé à avoir maladie de la puce. C'est lui qui a dit ça. Moi, je ne sais pas si j'ai une maladie comme ça. Il dit maladie de la puce. C'est pas ça? Puce. C'est si j'ai entendu ça. Qu'est-ce que tu as dit à la maladie de la puce? J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, je pisse seul. Ah, donc c'est le nom des maladies de la puce. Où ai-je vais? C'est une maladie depuis suis, tu vas voir. Donc il est humilié, il me cherche, il se déshabille. Ben voici là. Elle m'a appelé. Ah, ça va pas, hein. C'est que tu as dit, papa là. Il est tombé. J'ai dit, moi, je ne le touche même pas. Faut pas venir ici. Moi, je n'ai pas des chiffres prophètes. Faut pas venir ici. Pardon, une semaine, pardon. Il dit, mais c'est lui-même qui veut venir ici. C'est ainsi qu'il a été délivré. Il était enflé, ses pieds étaient enflés, il est nous fou. Frère, vous ne savez pas ce qui est en Jésus. C'est ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Rends un peu de témoignage, juste 2 minutes. Dis ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Vraiment, Jésus. Jésus a fait des merveilles pour moi. J'étais morte même. Je n'avais plus d'espoir. C'est grâce à Jésus, je suis sur mes pieds. Amen. Depuis là, vous me voyez danser. C'est ça. Grâce au prophète Grasso. Parce que je ne mangeais pas, j'étais à Paris. Mon petit frère est décédé. Je suis venue faire l'enterrement de mon petit frère. C'est là que j'ai pris la balle. Et puis ouais. Je suis allée. Mais arrivé à Paris, j'ai fait 4 mois de maladie. Où ma fille ne m'a pas amenée. C'est plus de 6 mois. On m'a amenée à Touba. Elle a pris voiture, j'étais à Touba. Où je suis, on me dit, viens dormir dans la case là, je ne peux pas dormir. Mais ça n'allait pas. Mais le petit chef me disait, si elle a son nom. Ouais. Mais moi, ça m'a découragé. Il m'a dit, non, allons à Paris. On va faire des analyses, on ne sait pas de quoi. On a arrivé, on fait toutes les analyses. Il n'y a rien. Je ne mange plus, je n'avais plus d'espoir. J'ai mon fils, mon avant-dernier garçon, qui a vu sur le YouTube. Il dit, maman, j'ai vu le prophète Grasso. Moi, je veux l'appeler. Je dis, non, je suis fatiguée. Laisse-moi mourir. Il dit, non, tu ne vas pas mourir. Moi, je vais appeler le prophète Grasso. C'est pour ça que mon fils, il a appelé le prophète Grasso. Le prophète Grasso a dit, mets ta maman sur table. C'est pour ça que mon fils m'a mis sur la table. Je explique, hein, vous ne connaissez pas. Les Blancs ont créé un système où quand tu es ici en Côte d'Ivoire, tu peux le voir à Paris. C'est ce qu'on appelle Skype. Webcam, c'est Skype. Vous voyez vous parler. Voilà. Quand le prophète m'a vu sur la cam, le prophète a dit à mon fils, c'est dans 2 jours, je vais vous donner la réponse. Si je peux prier pour votre maman. Ouais. Là, quand mon fils est venu me dire, ah maman, le prophète dit c'est dans 2 jours, j'ai perdu l'espoir. Parce que si le prophète est dit dans 2 jours, ça veut dire qu'il ne peut plus rien faire. Est-ce que moi je me disais? Oh, c'est le Satan qui m'animait. Et puis je pleurais. Parce que pour une femme qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne va pas la selle, qui est couchée, non. J'ai perdu l'espoir. Mes enfants, mes copines, ils font tour à tour, ça dort, ça va. Il y a d'autres mecs qui pleurent dans les toilettes parce que je suis morte. Mes bénis se sont venus ramasser mes sacs, hein, et tout ça sont assis là où je vous parle là. Je n'ai pas de sac.
Parce que pour eux, je suis mort, je vais mourir. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu de Nazareth, m'a guéri. Moi, je ne mangeais pas. Papa faisait mon menu. Matin, il met la table. Il dit, j'ai ma dernière. Il dit, il faut lui donner le lait là. Il faut lui donner une cuillère. Je n'arrive pas à manger. Il dit, porte la et la carne dans la bouche. Je n'arrive pas. À midi, papa appelle. Le soir, papa appelle. C'est sur la table là, j'ai eu ma guérison. Vraiment, je remercie mon Seigneur Jésus. Amen. Je rends gloire à Jésus. La maladie de Jésus est la maladie de Jésus. Donc quand papa voulait faire ma délivrance, mes enfants, ma fille est venue. Ma fille, c'est son fils qui joue au foot, son mari qui joue au foot. Elle est venue, c'est Seigneur. Elle est venue trouver papa. Elle pleurait. Papa dit bon d'accord, restez là. Elle est venue avec un groupe de femmes. Papa dit je ne vais pas voir tout cela. Il faut les emmener. Parce que dans vous, même entre vous là, c'est pas bon. Il a un souci là. Moi je prie pas. Papa a renvoyé tout le monde. Ma fille même a commencé à pleurer. Je dis, Coco, ne pleure pas. Je suis en train de faire son travail. Amen. Et le jour que papa avait donné là, papa n'a pas respecté le jour. Et j'étais prêt, il voulait m'allumer. Je dis, papa n'a pas respecté le jour. Ou ils ont oublié. C'est là, papa est parti faire une surprise à la maison. Yeah. Arrivé là-bas, papa même n'était pas là, on dit, il est allé à l'église, hein? Yeah. Il est allé à l'église. On a attendu. Le prophète a attendu papa. Et papa est venu. Le prophète n'a pas refusé rien. Il est venu là, il est déjà fâché. Le prophète dit, non, moi je suis venu. Parce que ta fille est malade. Ouais. Comme c'est toi le père. On va poser un acte prophétique pour que ta fille puisse guérir. Il n'y a pas de problème. Donc, papa a fait, le prophète a fait un acte prophétique, papa a parlé, le prophète a parlé, papa a versé l'huile sur lui. Il dit, mais ta maman qui a 6 ans, ah, pas moi, ma maman venait de Zarco pour aller là-bas avec le prophète. C'est comme ça, le prophète a versé l'huile sur maman aussi. Quand papa a demandé, ils ont versé sur maman. Ah non, la famille est divisée. Vous aviez emmené un faux prophète. Rosicrucien. Un Rosicrucien traité de tous les noms. Nous-mêmes, entre nous, parlables. Il y a un groupe qui supportait papa. J'étais la seule. Et ma fille, on était deux. On se soutenait. Tout le reste, mais aussi tout le monde, papa n'est pas sorti. Nous, on a amené un Rosicrucien. Ton Rosicrucien a fait quoi? Et je pleure. Mais je demandais à Jésus de Nazareth. Cette personne-là, tu vas me l'aider. Tu vas me les mettre en lui. Vraiment, les mots me manquent. C'est comme ça. Dieu est des dieux. Un matin, ça faisait trois mois juste. On dit, papa, t'es pipi sur lui. Maladie de la fissure. On dit, papa fait caca, papa fait tout. Regardez comment si. Est-ce un homme qui est là, qui ne porte pas habit, de comment si, marcher à pied jusqu'à entrer. Papa fait ça deux fois dans la journée. Très bien. Il marche pied plat, sans habit. Il demande l'argent sur la route. Donnez-moi l'argent. Ma petite fille est mariée à ce Seigneur. Les gens, ils quittent là-bas. Ta petite fille est mariée à ce Seigneur. Là. Il s'en va jusqu'à un autre. Quand lui-même il vient, il explique. Papa était fatigué. En temps, j'ai mes deux petites soeurs qui m'ont fait la guerre à Paris. Que le papa n'est pas sorti. Il m'appelle pour dire, ah Lili. Papa dit, il va aller chez le prophète qui est quitté à la maison. Je dis, moi, je ne suis pas dedans. Quand il dit, ah, j'ai vu le prophète, mais il a voyagé. Pendant deux mois, papa souffrait comme ça. J'ai pris un temps, papa même et moi-même, ça n'allait plus. Il y avait eu un froid. Il y avait eu vraiment un froid. Donc j'ai appelé papa, il dit, papa, ah, il y a papa qui a fait des choses. Il dit, non,
Et s'ils sont d'accord pour amener, si papa même est d'accord, on va l'amener. J'ai dit à mes frères, j'ai dit, ah, le prophète est fâché, il dit, je ne suis pas papa. Papa a appelé ses enfants pour dire, ah, demandez pardon au prophète, moi, je vais aller chez lui. Lui qui est venu verser, c'est lui, moi, je veux. Attends, ils ont amené tous les pasteurs, hein, pour prier pour papa, mais ça n'allait pas. Il fait pipi toujours. Il fait caca dans le salon où, dans la salle à manger, papa, t'as pas papa qui fait caca. Ben oui. Ah, c'était devenu dégueulasse. Là, moi-même, on dit, quand c'est que tu n'as pas deux cœurs, quand tu n'es pas chrétien, tu peux la porter. Mais j'ai réfléchi et puis j'ai vu mon papa. J'ai vu le prophète. J'ai dit, papa dit, il veut faire les aveux. On va l'emmener. Le père dit, moi, je suis là. Si c'est lui-même qui a dit qu'il veut venir me voir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Papa dit, lui, il veut venir ici. Papa est venu. Arrivé, il a fait les aveux. C'est lui qui a tué mes trois soeurs. Il a tué mes deux tantes. Mais moi, maintenant, il m'a transformé en biche, je crois. Il m'a transformé en biche. Il a déjà vendu mon âme. Mais lui, il ne peut pas aller chercher mon âme. Il a déjà vendu. Le prophète dit, tu veux jouer avec moi, tu vas brûler l'âme qu'elle a là. Il dit au prophète, non, si je la guéris, elle va finir ma maison. Elle n'a pas fini ma maison, le prophète dit ce que tu as fait. Je ne suis pas dit, je dis pour la défaire. Où tu es là? C'est comme ça, papa m'a défait là. C'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Toutes les douleurs qui étaient dans mon corps, il n'y a pas de douleur. C'est pour vous dire que ayez la foi. C'est ce qu'il veut vous dire, ayez la foi. Si vous venez prier, vous ne voyez pas papa prier. Dieu va vous délivrer. La preuve en est, je suis à Paris, je réside à Paris. Papa n'était pas là-bas, mais c'est sur la table. J'avais la foi que Jésus allait me guérir. C'est comme ça ici que je rends gloire à Dieu. Amen. Et je vous aime. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le grand Jésus de Nazareth? Et la gloire est venue à Jésus seul. Amen. Il est puissant. Notre Dieu est puissant. J'ai dit aux gens, si vous ne croyez pas la sorcellerie, c'est que vous-même vous êtes sorcier. La sorcellerie, c'est une réalité africaine. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la réalité occidentale. La preuve, c'est qu'il neige actuellement soit en hiver. Ici, c'est le soleil. Ils ont leur culture à eux. Tu ne vas jamais voir, moi, ce que c'est un Africain. Tu ne vas jamais voir un blanc, mais ils sont grecs, ils ne connaissent pas ça. Ou bien, ils connaissent pas tout ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine et la réalité occidentale. Les Blancs ont compris une seule chose. Ils ont compris qu'il y a deux mondes. Quand vous comprenez ça, c'est fini. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel, le monde invisible. Il y a le monde visible. Notre monde visible, là, dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. C'est ça que vous regardez le premier verset de la Bible. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il va commencer par le ciel d'abord. Le monde invisible, ciel. Et puis il va commencer par la terre. Donc c'est le monde spirituel qui commande notre monde visible. Alors Jésus, après sa résurrection, va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous envoie. Ils ont fini par comprendre que tant que ce côté n'est pas réveillé, il sera vraiment difficile d'émerger, de connaître l'émergence, de connaître ce qu'on appelle le développement et beaucoup de percées. Alors qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils vont commencer à pratiquer ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Dans les au 15e siècle, ils ont commencé au 15e siècle à pratiquer la chasse aux sorcières. Qu'est-ce que les Blancs faisaient? Ils prenaient les sorciers, ils les brûlaient. C'est-à-dire, de toute façon, il a parlé là. Si c'était chez les Blancs, là, il y a longtemps, il y avait feu, on l'a déjà mis dans le feu. Ça a chier avec la calcinée de buis. Parce que eux, c'est vrai qu'il y avait des églises, et quand vous étudiez à cette époque-là, c'était largement de l'église, où on ne sentait plus trop la force. Mais ce sont basés sur les saintes écritures, dans Exode 20, le verset 17, vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Et tous ceux qui faisaient ça, c'est venu par l'église catholique. Voilà. Donc les gens prenaient les sorciers, on les brûlait.
et ça a porté chez eux pendant trois siècles, 15e, 17e siècle. Ils ont connu un secteur glorieux, puissant, où il y avait les plus grands savants sur le 18e siècle. C'est ce qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Et quand on parle de siècle de lumière, c'est qu'il y a des siècles de ténèbres. Par exemple, quand on parle de lumière, c'est qu'il y a des ténèbres. Vous savez très bien que sans si Dieu a commencé par la nuit, et puis il a créé le jour. La nuit et le jour. C'est comme ça au niveau de l'Afrique. Donc les Blancs ont réglé ce problème-là parce qu'ils savent que tant que ça ne s'est pas réglé, il sera difficile pour eux d'avancer. Parce que le sorcier ne fait que détruire celui qui est bon. Nos braves valides sont morts. Regardez dans nos cimetières, la plupart des tombes, vous voyez là, ceux qui sont dedans sont victimes à 90% des œuvres de la sorcellerie. Victimes. Victimes de la sorcellerie. La définition de la sorcellerie, c'est lanceur de sorts. Donc on me demande toujours, même sur le tableau de télévision, est-ce qu'il y a la sorcellerie positive? Je dis non, ça n'existe pas. Quand vous parlez de la sorcellerie, tu vas attaquer ça déjà. Pourquoi les sorciers disent qu'ils sont sorciers positifs? Parce qu'ils savent que c'est négatif. La définition, c'est lanceur de sort, celui qui lance un sort. C'est un esprit qui habite ces personnes-là. Et quand tu as ces démons-là, ils te donnent cette force. C'est une méchanceté. Il y a un petit qui a bien expliqué. Il dit, quand je vois des gens, ils m'énervent. Moi, je m'énerve, j'ai envie de les manger, de les détruire. Et il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il voit dans le monde spirituel, ils ont la capacité de détecter ton étoile, qui est symbole de gloire. C'est comme Jésus-Christ, lorsqu'il est né, les mages, ils ont vu son étoile briller. Malheureusement, ils ont frappé la mauvaise porte, ils sont tombés sur Hérode. Et ils ont dit, ils ont vu l'étoile. Ouais, c'est ça le problème aussi. C'est-à-dire, vous tombez souvent sur des mauvaises personnes à qui vous donnez une information parce que c'est mon frère et ma soeur, tu as un projet de développement ou un ami, tu sais pas ce qu'il fait la nuit, tu sais pas même s'il est sorcier et tu vas lui partager un projet. Ils sont tombés sur Hérode pour dire, nous avons vu l'étoile. Il y a un roi. Nous sommes venus l'adorer. Et lui, avant, il y a un roi qui est né ici. Et puis, je ne me suis même pas informé. Et puis, il n'y avait pas de ma lignée. Ok. Allez trouver l'endroit, si vous le trouvez, venez, je vais l'adorer. C'était pour tuer Jésus. La stratégie du diable, c'est de te tuer. Parce qu'il sait ce que Dieu a mis en toi. Il le sait, il est convaincu que c'est toi que Dieu a établi comme chef. Dis amen. Amen. Ils le savent. Ils sont convaincus que c'est toi qui dois régner sur eux. Ils sont convaincus. Donc ils mettent une stratégie en place pour fermer. Amen. Amen. Il a fallu que Jésus entre ici. C'est pour ça qu'il dit, les Africains, vous êtes bénis. Nous, les Africains, nous sommes bénis. Parce qu'à un moment donné de la vie de Jésus-Christ, il a trouvé pour refuge l'Afrique. C'est l'Égypte. C'est ici qu'il est venu se réfugier en Égypte. C'est ici. Donc l'Afrique a beaucoup de choses à faire dans le revers mondial. C'est nous qui allons apporter beaucoup de choses aux Blancs demain. Parce que les Blancs ont perdu la raison. Femme s'est mariée, femme. Homme et homme. Et vous voulez adopter des enfants, c'est de la sorcellerie. Ton ami garçon, tu le touches. Tu fais la moelle. Tu sais quoi? C'est de la sorcellerie. Et c'est légalisé. Et ils nous imposent ça.